C'est sur ce rond-point où ils ont leurs habitudes depuis le début du mouvement que les Gilets jaunes devraient se rejoindre. Un appel national a été lancé pour réoccuper les ronds-points, mais sur le terrain, cela risque d'être compliqué. Il y a beaucoup qui vont sur Bordeaux et d'autres villes. Donc ça joue aussi au niveau préjudice des ronds-points. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de ronds-points qui ont arrêté. Et je trouve ça dommage parce que le rond-point, on va dire qu'en quoi c'est le prix mondial. Comme là, et sur ce rond-point-là, c'est la centrale ici. Pourtant, ici, ils ont été jusqu'à 200 à occuper le rond-point. Mais chaque samedi, ils deviennent de moins en moins nombreux. Il y a de l'épuisement, je suis d'accord, mais en fin de compte, moi aussi j'étais épuisé et j'ai repris. Ce serait bien que tout le monde revienne sur les ronds-points et refaire des belles manifestations comme on a eu et comme on l'avait fait. Impossible de savoir si l'appel sera suivi, mais ils savent déjà qu'ils ne vont pas s'installer durablement ici. Ils ne resteront que samedi après-midi.